nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je me lève à l'instant. C'est gravement abusé. Il est 10h30. Voilà. Pauvre Père Nel, je viens de lui ouvrir pour lui donner à manger. Enfin, d'ouvrir les volets, en fait, et donner à manger à Père Nel. Elle miaulait. Des trucs de ouf. Parce qu'elle avait très faim, je pense. Voilà, elle est en train de manger. Moi, je vais prendre mon petit-déj aussi. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer d'aller rechercher le scénic. Donc, je vais voir si c'est possible. Je sais pas trop si ça va être possible ou pas. Donc, du coup, j'y vais avec Laura. Elle va m'emmener puisqu'elle va faire des courses, en fait. Donc, je profite de son voyage de courses. Et si je l'ai, je l'ai. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Mais normalement, ce soir, je rentre en scénic. Normalement. Je voulais vous reparler un petit peu d'un truc, j'ai hésité en fait à en parler, mais je pense que je vais vous le dire quand même. Je vous avais parlé du papa de l'école que j'avais rencontré, que je trouvais très bel homme, qui me paraissait très sympa, etc. etc. En fait, on a été amenés à faire connaissance. Au départ, brièvement, on a discuté 10 minutes devant l'école. Et puis, cette semaine, on a été se promener, en fait, un soir. Au lieu d'aller marcher avec Laura, je suis allée marcher avec lui. Et ailleurs, en fait, il m'a fait découvrir un endroit qui est très proche de chez moi, à moins de 10 minutes, et que je ne connaissais pas. Donc, je pense que j'y retournerai avec les enfants. Et du coup, on a fait plus ample connaissance. Il est clair que le feeling passe très, très bien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, cet homme ne souhaite pas forcément se poser en couple, en fait. Donc, pour l'instant, voilà, on entretient une relation amicale. Même si je sens bien qu'il y a de l'attirance d'un côté comme de l'autre, mais parfois ça suffit pas. C'est comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un de très sympa que j'apprécie beaucoup et on s'entend très bien et le feeling est très bon, la conversation est fluide. Enfin, franchement, c'est une relation amicale, mais une très bonne relation. Donc, je suis très contente. Du coup, c'est pas quelqu'un que je vais voir tous les jours, hein, mais en tout cas, voilà, j'ai fait une belle rencontre. Du coup, aujourd'hui, il va falloir que je me bouge. Là, je vais commencer par aller me faire un petit brunch, parce que il est 11h et que il faut que je mange. Bref, là, je vais manger. Ensuite, je vais faire un peu de rangement, passer l'aspirateur, lancer une lessive, plier la lessive qui est dans le sèche-linge. Et puis, faire mon lit, je voudrais laver mes draps aujourd'hui et il faudrait en fait que je range mon bureau aussi. Il faudrait que je mette en vente sur Vinted tous les fringues que j'ai là-haut, j'arrête pas de le dire, il va vraiment falloir que je me pose pour le faire. Et en fait, le fait qu'il pleuve, ça me donne pas du tout envie de faire la peinture aujourd'hui parce que si je voulais faire... En gros, si je faisais la peinture, c'était aussi pour... comment dirais-je, ouvrir les portes pour pas qu'il y ait d'odeur de peinture. Je voulais ouvrir les portes, les fenêtres et tout ça pour pas qu'il y ait d'odeur de peinture dans la maison. En l'occurrence, là, je peux pas ouvrir parce qu'il pleut de tous les côtés, quoi. Donc, je me dis, je vais peut-être attendre qu'il fasse un peu meilleur. Bien. Je vous reprends. Il fait noir. Mais on n'est pas le soir. En fait, on est dimanche matin. Dimanche midi. Et je me lève. Voilà. Il est midi 7. Enfin, quand j'ai regardé l'heure, il était midi 7. En fait, je suis réveillée depuis 10 heures. Et je suis restée dans mon lit. J'ai regardé des vlogs. J'ai regardé plusieurs vidéos. J'ai regardé des vidéos sur Facebook un peu, tout ça. Voilà. Je prends mon temps. Donc là, j'ouvre les volets. Vous allez entendre Père Nel. Certainement. Ah oui, elle est là. Je vous la montre en train de se rouler littéralement dans la poussière. Elle va miauler à la mort pour avoir ses croquettes, parce qu'à cette heure-là, je pense qu'elle crie, la dalle. T'as faim? On va cliquer ta vie dans la poussière, en tout cas. Hein. Hop. Voilà. Le jour fut. Je vais aller éteindre ma lumière et lui amener ses croquettes. Hop.
Donc, comme vous pouvez le constater, elle ne cherche absolument pas à rentrer dans la maison. Hein. Tout va bien pour elle. Elle kiffe sa vie dehors. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu un chat qui ne rentrait jamais dans les maisons. Et alors, le pire de tout, c'est que j'ai discuté avec ma voisine. C'était quand on est rentré avec Laura. On avait été marcher un soir. C'était peut-être bien vendredi. Quand on est rentré, ma voisine était dehors. On a discuté. Et elle me dit quoi? Ah bah, des fois, elle rentre chez nous. On aime bien. Je me dis, c'est une blague? Chez nous, elle veut jamais rentrer. Et je pense qu'en fait, les enfants, vraiment, la font fuir, en fait. C'est fou, hein? Tiens. Elle se prend les croquettes sur la tête tellement elle se jette dessus. Voilà. Crève la dalle. Le nez dans la gamelle. Donc, bah oui, hier, j'ai passé une bonne journée, quand même. Bien active, mais bonne. Donc, j'ai fait des courses. En fait, j'attendais Laura parce que elle devait m'emmener chez Leclerc pour que je récupère le Scénic. Normalement, je l'avais réservé pour cette semaine. Mais en fait, ma voiture, elle me fait tellement peur que aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment peur de rouler avec. En fait, je roule très, très peu avec, mais... c'est vrai que jeudi, quand je suis allée marcher avec le papa de l'école, il m'avait donné rendez-vous directement là-bas, en fait. Sur le coup, je me suis dit, bah, il passera me prendre. Enfin, moi, au début, quand on s'est dit on ira marcher un de ces quatre, je pensais dans la commune, en fait. On aurait fait un petit tour et puis basta. Et en fait, lui, il m'a proposé qu'on aille marcher autour de l'étang, ce qui, en soi, était très agréable. Donc, j'ai vraiment pas regretté parce que je connaissais pas, donc j'ai découvert. Et j'y retournerai avec les enfants, ça c'est sûr. Et sauf que je savais pas où c'était. Et du coup, j'y suis allée. Et franchement, la voiture, mais j'avais trop peur en fait. Et je me suis dit, non, non, il faut absolument que je récupère le Scénic. Donc, j'ai appelé chez Leclerc et on m'a dit qu'elle était disponible. J'ai dit, bah écoutez, est-ce que je peux venir la récupérer demain plutôt que... Je crois que c'était mercredi que je devais la prendre. Et on m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir la chercher. Donc, bah, du coup, j'ai été la chercher hier, Laura m'a emmenée. Du coup, on s'est promené en même temps, un petit peu. On a été dans l'espace culturel de Leclerc. On a fait un tour dans le magasin, parce qu'elle avait des petites courses à faire. Moi, j'avais des grosses courses, mais comme j'allais voir ma copine Emeline juste après, je voulais pas que les courses restent dans la voiture. Donc, je suis d'abord allée voir Emeline, j'ai été faire les courses après. Et voilà. Du coup, par contre, tout le ménage que j'avais prévu de faire hier, bah, du coup, je l'ai pas fait. Puisque quand Laura m'a dit je me prépare et j'arrive, j'étais moi-même pas prête. Donc du coup, j'ai été obligée d'aller me préparer tout de suite et je n'ai pas fait ce que j'avais à faire comme ménage. Alors après, je me dis, c'est pas grave, je peux le faire aujourd'hui, hein, je suis là. Je ne bouge pas, je n'ai rien de prévu, à part du ménage. Du coup, bah, j'ai rempli mon frigo. Alors, c'est juste pour moi, hein, mais j'ai rempli le frigo de fruits, de légumes, tout ce que j'ai envie de manger quand les enfants sont pas là, quoi. Et ils vont rentrer vendredi soir. Mes parents vont les ramener. Et je leur ai proposé qu'on se fasse une petite soirée hamburger maison. On met le canapé en lit. On se regarde un film. Alors, ils ont choisi de regarder A Star Is Born, le film avec Lady Gaga. Et en fait, je sais pas si ça va leur plaire. On l'a trouvé en DVD la dernière fois à l'espace culturel. On a eu 5 DVD pour 30 euros. Donc, on en avait pris. Et principalement pour les enfants, et moi je savais pas trop quoi prendre, et Elsa m'a dit, oh, bah, on a qu'à prendre celui-là, et donc du coup on a pris ça. Et je pensais pas que les gars auraient envie de le regarder, mais le fait que ça parle de Lady Gaga, du coup ils sont curieux, donc on va regarder ça, on verra bien. Si je vois que c'est pas hyper adapté, on l'enlèvera, mais j'en ai pas entendu de mauvaises critiques, donc je pense pas. Et le projet, c'est qu'on dorme tous ensemble dans le canapé. C'est nos retrouvailles... Ça va être énorme, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. En fait, on n'a pas eu beaucoup de temps à partager avant qu'ils partent. Et on n'aura pas non plus beaucoup de temps à partager là. Donc, c'est vrai que bah, on va essayer d'en profiter le plus possible, quoi. Alors après, moi, je prends pas beaucoup de risques, hein, en disant je dors dans le canapé. Parce que si je suis pas bien, une fois qu'eux, ils seront endormis, j'irai dormir dans mon lit. Je serai juste à côté, donc ça posera pas de problème. Mais Marceau, il a déjà dit... au téléphone, j'étais morte de rire. Moi, je dors à côté de toi. Hein. Alors, je dis, bah, on verra. Ah non, 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 tu l'as dit, je dors à côté de toi. J'ai rien dit du tout. Hein. Je le précise, mais c'est pas grave. Lui, il est persuadé qu'il dort à côté de moi. Donc, bon, c'est le plus petit. Donc, forcément,
Il est plus demandeur de ce genre de choses que les autres, même si voilà, on est tous contents de dormir dans le même lit pour le coup. Ça fait plaisir à tout le monde et je pense vraiment que ouais, on va passer une soirée sympa. Donc ça va être cool. Du coup, il faudra que je retourne faire des courses pour les hamburgers, mais je voulais pas acheter trop tôt parce que j'ai toujours peur que ça se perde d'ici là et c'est que vendredi, donc j'ai des tomates, j'en ai, je les garde au frais, je pense qu'elles seront encore bonnes vendredi, mais je me suis dit, en plus, au moment où j'ai fait les courses, je ne savais pas encore qu'on allait faire ça. Donc, je retournerai dans la semaine, c'est pas très grave. Mais j'ai hâte d'y être, vraiment. Donc là, bah, je vais aller me faire un petit déj, n'est-ce pas? Parce que j'ai un peu faim. Et puis, bah, après, je vais mettre la musique et puis je passe en mode ménage, rangement. Et puis, ça va occuper ma journée. Voilà. Bien, bien, bien. Bah, je vous reprends, il est tard. Il est 21 h, je crois. Alors, j'ai du rouge à lèvres, hein. Oui, vous allez me dire, je vous prends dans mon habit de lumière. Je sors de la douche. Et en fait, je vais aller me préparer à manger pour ma gamelle de demain. Parce que je n'avais rien préparé. Alors, j'ai mis du rouge à lèvres parce qu'hier, j'ai acheté un L'Oréal Super Stay. Alors, j'aime pas du tout la couleur, c'est beaucoup trop clair. En fait, j'ai hésité à prendre la teinte au-dessus parce que j'avais peur que ce soit trop foncé. Et en fait, une fois sur les lèvres, c'est vraiment très très clair. Donc, je me dis peut-être que je le donnerai à Elsa. Après, je trouve que ça me fait une belle bouche, en soit, mais je sais pas, la couleur, je suis pas hyper fan. On verra par la suite. En tout cas, ben, j'ai passé une excellente journée. Je me suis, mais alors vraiment bien reposée, ça c'est clair. Surtout le week-end en général, hein, pas que aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai été marcher avec Laura. En fait, on est allé bah, au même étang où j'étais allée avec le papa de l'école. En fait, c'est assez sympa pour marcher. On fait un tour qui est quand même pas petit. On marche 45 minutes quand même. Même si, voilà, ça nous fait faire à peine 5000 pas, quoi. Donc, c'est la moitié de ce qu'il faudrait que je marche normalement. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça de pris. Je me dis qu'en le faisant tous les jours, ça porte quand même un minimum ses fruits. Donc, pour le moment, je fais ça. Après, je compare pas trop avec le tour que je fais avec Laura. Je me rends pas compte de ce que ça représente. Mais, enfin, je dirais que ça revient à peu près au même. Mais, en tout cas, c'est vraiment agréable d'aller marcher là-bas, même si, bon, au final, on a pris la pluie. Mais comme on était dans la forêt, on la sentait pas trop, en fait. Donc, en fait, il y a un étang au milieu, mais nous, on marche dans la forêt, en fait. Donc, du coup, la pluie, ouais, on la sentait pas vraiment. Juste sur la fin, quand on est retourné au bord de l'étang, au niveau du parking, bah là, on n'avait plus d'arbres au-dessus de la tête, donc forcément, on a pris la pluie, mais ça a été, c'était pas longtemps. Laura a eu un peu froid. Moi, j'avais juste froid aux cuisses. Je pense que mon pantalon ne me tenait pas assez chaud. Enfin, il faisait pas trop barrière au vent, en fait. Du coup, j'avais froid aux cuisses, mais autrement, j'avais mis ma petite veste molletonnée, un peu doudoune là, donc ça va. J'avais pas froid. Puis j'avais mis mon écharpe pour éviter la phonie demain matin. Donc là, bah, après je suis rentrée, je me suis allongée dans le canap. J'étais fatiguée en fait. J'ai pas arrêté de bâiller le temps qu'on était parti marcher. Je me suis dit bon bah je vais me mettre dans le canap. Donc je me suis mise dans le canapé. J'ai pas dormi, mais je me suis reposée. Et puis bah, après je me suis quand même levée et j'ai fait tout le rangement que je voulais faire. Bah, pas tout le rangement que je voulais faire, mais j'ai fait le plus gros. Et puis bah après je suis partie prendre ma douche. Donc là j'ai toujours pas mangé d'ailleurs et j'ai pas spécialement faim à vrai dire. Donc bah là je vais aller dans la cuisine préparer et je pense que le fait de préparer ça va me donner faim. Je vais aller préparer mon petit repas pour demain. Et je sais pas trop, j'hésite à me faire une salade en fait demain midi. Mais je me dis que c'est peut-être mieux à manger le soir les salades le midi. J'ai vraiment besoin d'un bon plat complet en fait. Je sais pas trop. Voilà. Je vous cache pas que ce week-end, je vais vous faire une révélation là un petit peu, mais ce week-end, je me suis pas mal questionnée sur le fait de continuer les vlogs ou pas. Concrètement, je trouve que je n'ai rien d'intéressant à vous raconter en fait. C'est un peu pour ça aussi que, bah.
ces derniers temps, je vlogue plus trop. C'est vrai que, enfin voilà, le fait que je fasse connaissance avec le papa de l'école, c'est pareil, je voulais pas trop en parler parce que je me suis dit, enfin tout le monde va s'emballer alors qu'en fait il y a rien du tout. Il y avait pas matière et j'avais pas spécialement envie de me justifier là-dessus. Je sais pas. En ce moment, je doute un petit peu. Alors bon, là, je publie ce vlog aujourd'hui. Je verrai quand j'aurai envie de faire le prochain. J'en ai aucune idée. Est-ce que je me contenterai pas d'une petite story time de temps en temps pour les personnes qui ne nous suivent pas sur Instagram, puisque techniquement, si je viens plus sur YouTube, je serai sur Instagram. Je sais pas. Je sais pas trop. Là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas non plus hyper bien parce que mes petits chouchous, ils me manquent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si, j'avoue, j'arrive à profiter toute seule quand même, hein, puisque j'arrive à me reposer, je sors. C'est vrai que, enfin, quelque part, je me dis, la balade avec le papa de l'école, si j'avais eu les enfants, je l'aurais pas faite. Donc, je me dis que c'est, pour le coup, j'ai quand même profité du fait qu'ils étaient pas là, et c'était appréciable, hein, j'ai passé un très bon moment. C'est vrai que là, je me retrouve à nouveau toute seule, quoi, et c'est pesant. Donc oui, tout le monde me dit, ah, mais profites-en quand ils sont pas là. Bah, j'essaye, mais c'est pas forcément facile, d'autant qu'ils m'appellent tous les jours en me disant, tu me manques trop, on se revoit dans 5 jours, hein. Oui, ça me peine un petit peu, parce que je me dis, je sais qu'ils sont bien chez mes parents, mais malgré tout, ils ont trop hâte de rentrer, quoi. Donc bah là, ils vont rentrer vendredi. J'avoue que j'ai assez hâte d'y être, mais bon, ce sera juste pour la soirée, hein, parce qu'après, ils repartent la semaine d'après. Mais du coup, il me restera plus qu'une semaine à attendre. Mais bon, j'arrive quand même à profiter. J'ai pris plusieurs fois dans la semaine, j'ai pris un bon bain tranquille, sans personne qui vienne me déranger. Je me suis regardée, je sais plus si je vous l'avais dit, il y a quelques temps, j'avais acheté les 8 saisons des frères Scott chez Easy Cash. J'avais trouvé les 8 saisons d'un coup, donc du coup j'avais acheté. Et bah là, j'arrive, là je suis en train de regarder, là j'ai mis en pause parce que du coup je suis allée prendre ma douche, mais j'étais en train de regarder, je crois, le dernier épisode ou l'avant-dernier de la saison 1, donc... il y a quand même 6 DVD, je crois que c'est le 6e celui-là. Et après, ben voilà, je passe à la saison 2 et ainsi de suite. Mais ben c'est, ouais, je prends plaisir à regarder parce que là, je peux vraiment regarder, écouter. Donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai, quoi, je m'ennuie un petit peu. Du coup, bah, je fais pas grand-chose d'intéressant, hein. Hier après-midi, comme je le disais, je suis allée avec Laura, du coup, récupérer le scénic. On a fait quelques petits, enfin, ses petites courses à elle. Elle a juste acheté du pain dans le magasin. Moi, ensuite, je suis partie voir ma copine Emeline. Après Emeline, je suis allée faire des courses. Ensuite... bah, je suis rentrée à la maison, j'ai rangé mes courses, j'ai fait ma petite soirée, j'ai regardé The Voice. Ah si, avec Laura, on a été à l'espace culturel de Leclerc. Et en fait, en sortant de l'espace culturel, Action était ouvert. J'ai juste halluciné. Le magasin, c'est pas un magasin indispensable, hein, de première nécessité, je suis désolée. Alors oui, ok, ils vendent de la nourriture. Oui, ok, ils vendent des outils. Sauf que il y a d'autres magasins qui sont spécialisés dans ces domaines-là et je comprends pas qu'on laisse Action ouvert, quoi. Alors pour le coup, je vais pas dire, moi ça m'a arrangé parce que je devais me racheter un chargeur de téléphone. Donc vu que là-bas ils sont à 2,50€, évidemment que j'aime quand Action est ouvert, mais j'ai trouvé ça surprenant quand même. Mais bon, quand je vois que les chocolateries sont restées ouvertes, c'est à n'y rien comprendre. Donc du coup, bah ouais, chez Action, j'ai fait des petits achats hier, mais pas grand-chose. J'ai pris, je me suis pris un chargeur de téléphone. Je me suis pris 3 boîtes de rangement pour ranger des choses dans mon garage. J'ai repris des chiffons microfibres. Je me suis pris des torchons. Qu'est-ce que j'ai acheté encore hier? Ah ouais, je me suis acheté une serviette pour les cheveux. D'ailleurs, il faut que je la déballe parce que demain matin, je vais me laver les cheveux, je vais la tester. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris.
Avant, j'achetais tout ce qui était KitKat, Twix, machin. Sauf que comme maintenant, j'essaye de... Enfin, je fais hyper attention. Là, pour la semaine, je me suis acheté que des légumes. Donc, je vais arrêter de manger ces cochonneries-là. Je m'étais gardé quelques chocolats de Pâques des enfants, mais du coup, je les ai mangés. Comme ça, maintenant, terminé. Là, du coup, ce week-end, j'ai pas beaucoup mangé, je dois dire. Mais parce que j'avais pas faim. Et la diététicienne m'a dit, si vous n'avez pas faim, vous mangez pas. Et comme, surtout, je me suis levée tard, du coup, j'ai déjeuné tard. Donc, quand je déjeune tard comme ça, en général, je me fais des œufs brouillés avec du bacon grillé et... Ça m'arrive de rajouter une tomate, mais en fait, j'en avais fait une samedi et je l'ai pas trop digéré. Donc, du coup, ce matin, j'en ai pas refait. Je me suis fait un jus d'orange frais et je mange, en fait, des skyrs. C'est-à-dire, alors, j'en mange un par petit déjeuner. Ce sont, en fait, c'est comme des yaourts, comme des fromages. Enfin, c'est plus comme des fromages blancs, mais encore plus épais que du fromage blanc. C'est hyper protéiné et du coup c'est hyper bon pour la ligne en fait. Je suis désolée, je fais beaucoup bouger mon téléphone, je sais pas comment. C'est quand je parle, je sais pas. Du coup, ouais, je mange un skyr, ça me tient bien au corps. Là, ce matin, j'avais rajouté en plus une banane et j'ai rien mangé d'autre depuis. Donc, à part si un œuf en chocolat qui restait que j'avais pas vu, je pensais les avoir finis et en fait, il en restait un, donc je l'ai mangé et c'est tout. Et même là, ce soir, en fait, j'ai pas forcément faim. Voilà. Donc bon, je pense que là, le fait d'aller cuisiner, je vais avoir faim, donc je vais sûrement manger un petit peu. Mais franchement, ouais, pour l'instant, je suis pas dans le besoin, en fait, concrètement. Donc peut-être que je vais me faire une petite salade, comme je me suis faite hier, c'était trop bon. En fait, j'achète de la salade en sachet, hein, parce que les grosses salades, je les finis jamais, je finis toujours par les perdre. Donc j'achète de la Bonduelle bio... Je vais vous redire ce que c'est exactement parce que j'achète pas des feuilles complètes parce que j'aime pas le croquant de la feuille en fait. Et du coup j'ai trouvé, c'est de la feuille de chêne en fait, simplement. C'est juste de la feuille de chêne sauf que en fait il y a beaucoup moins de croquant de feuilles. Il y a beaucoup moins de croquant de... Excusez-moi pour le cadrage. Il y a beaucoup moins de croquant dans la feuille et du coup, moi, je préfère. Donc, en fait, je mets donc des feuilles de salade. Je coupe des tomates cerises en deux. Je mets du maïs et je rajoute dedans des émincés de poulet des émincés de poulet rôti, en fait, qui se mangent froid. Et dedans, je mets une petite vinaigrette que j'achète toute prête, en fait, chez Puget. Qui est à base de vinaigre et tomates sèches, je crois. Et franchement, c'est super bon. Donc, je pense que ouais, je vais m'en faire. Du coup, le fait d'en parler, ça me donne faim. Donc, je vais m'en faire une petite assiette pendant que ma paupiette cuit. Et puis, pendant que je vais monter ce vlog, du coup, puisque je vais m'en occuper maintenant, je suis pas spécialement pressée d'aller me coucher, étant donné que je me suis levée 2 jours d'affilée à 10h. Mais demain, par contre, c'est plus la même. Par contre, je pars moi avec ma voiture, donc c'est pas ma collègue qui m'emmène parce qu'elle a un rendez-vous demain matin. Donc, du coup, j'y vais avec le Scénic hein, et je gère plus facilement mes horaires quand je dépends pas de ma collègue. Mais quand même, il faut que je parte pas trop tard parce que même si en ce moment j'ai pas besoin de mon heure le mercredi, j'avais pris des rendez-vous médicaux là, puisque j'ai eu rendez-vous. J'ai eu rendez-vous pour le bilan ORL de Côme, j'ai eu rendez-vous avec le gynécologue pour moi et pour mon bilan urodynamique. Du coup, je me suis absentée 3 fois à peu près 3 heures. Donc il faut que je récupère toutes ces heures-là. Donc après j'avais demandé à ce qu'elle les décompte de mes heures acquises. Mais a priori, je n'avais plus d'heures acquises puisque elle m'a dit qu'elle allait essayer de les mettre je m'explique parce que là je suis en train de vous embrouiller. On a eu 2 journées qui n'ont pas été travaillées là récemment, où on nous a dit l'atelier est fermé. Et donc du coup, mes heures acquises devaient servir à ça. Sauf que comme moi j'ai pris 2 rendez-vous et que dessus j'ai eu que ces rendez-vous, je voulais les faire déduire de mon crédit d'heure, ma chef m'a dit peut-être qu'on peut te les mettre comme t'avais. Concrètement, on va dire que ton crédit d'heure, il était utilisé par tes rendez-vous. Et donc, peut-être que les journées où on n'a pas travaillé, on peut peut-être te les faire passer en chômage partiel. Donc,
Je ne sais pas comment ça s'est géré finalement. Elle doit me redire pour mes heures. Faudra que je recalcule tout ça, mais normalement, ça devrait le faire. Donc, du coup, bah, c'est vrai que j'aime bien faire mes 10 minutes le matin, même si j'ai pas mon heure de supplémentaire le mercredi. Ça me fait quand même des heures de cumuler au cas où, si je dois partir plus tôt, si j'ai un rendez-vous, si tout ça, c'est quand même plus pratique. Voilà pour les explications. Du coup, ben, je ne sais pas si je vous reprendrai cette semaine. Je vais pas avoir grand-chose à vous raconter, à vrai dire. J'ai rien de prévu, si ce n'est ma soirée de vendredi. Donc, peut-être que je filmerai mes retrouvailles avec les enfants, la petite soirée qu'on va filmer, qu'on va passer ensemble et tout ça. Mais peut-être pas, parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais vraiment envie de profiter de tout ça avec eux. Et je sais pas du tout comment je vais le vivre sur l'instant. Donc, on en reparlera. Et enfin, on en reparlera, non, on n'en reparlera pas, mais j'aviserai moi au moment voulu. Peut-être qu'on en reparlera. Si j'ai envie de vloguer dans la semaine, ben, je prendrai la caméra. Peut-être que j'aurai des choses à vous raconter, peut-être pas, je ne sais pas. Et on verra bien. En tout cas, ben, je vais aller manger, me faire à manger pour demain. Et puis, ben, monter ce vlog et ensuite aller me coucher tranquillement, passer ma petite soirée tranquillou-bilou, comme on dit. Et puis, bah, du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, puisque vous aurez ce vlog demain matin. Et bah, je vous dis à bientôt, mais je sais pas quand. Voilà. Bisous. Ciao.